Carter, on a analysé les données que vous avez recueillies sur le site Xenon. Les résultats sont très troublants. D'après le volume de contaminants trouvés et la configuration des infrastructures hydrauliques du pays, on s'attend... Sans notre intervention, plus des deux tiers de la population auraient été infectés en quelques semaines. Je sais calculer. En l'état, des dizaines, voire des centaines de milliers de gens ont été infectés ou exposés. Il devient de plus en plus difficile de cacher aux gens la menace Xenon. On ne peut pas se permettre une panique nationale. Il faut faire quelque chose, et vite. Il est temps de voir ce qu'on a tiré d'Axis. Dites-moi que vous avez tiré quelque chose d'utile des données d'Axis. Vous feriez mieux d'y croire. La seule chose, c'est... Eh ben, qu'on ne sait pas si ça fera une grosse différence. Bien sûr que ça fera une différence. On n'a pas récupéré tout ça pour rien. Bon, la plupart des informations recueillies sont d'ordre logistique. Où les Xénons sont installés, comment ils comptent progresser, etc. On dirait que ça va nous aider à gagner. Bien sûr, si on pouvait leur tenir tête. Je veux dire, on sait quelle ville évacuer avant qu'ils n'attaquent. Mais on ne peut pas pour autant résister à leurs troupes. Même une embuscade. Connerie, je me bats contre eux tout le temps. Pourquoi pas les autres? Oui, mais vous êtes... Vous. Vous avez les meilleures armes dont ait jamais disposé l'humanité. Une équipe d'agents très bien formée, et cette... chose à votre bras. XCOM n'a qu'un nombre réduit d'agents. Et l'ennemi a une planète remplie de soldats. Qu'est-ce qu'on est censé faire, alors? Baisser les bras? Oh non. Bien sûr que non. Mais nous n'avons qu'une seule occasion de renverser la situation. Détruire Genesis et Mosaïque. Ouais. Et je ne vois personne qui soit plus à même d'y parvenir. Je regrette. Comment les Xénons prennent-ils la mort d'Axis? C'était le chef de l'invasion, alors ça a dû bouleverser leur plan. Nous pensions que cela décapiterait leur armée. Mais nous avons surestimé son importance. Ils reçoivent toujours des ordres de Genesis, via Mosaïque. C'est pour ça qu'il sera le prochain. Oui. Éliminez Genesis, anéantissez ces Mosaïques, et les Xénons seront complètement isolés. Ce qui nous donne d'un seul coup l'avantage. Si on mène à bien cette mission... Nous comptons tous sur vous. Bonne chance. Qu'est-ce qu'on sait sur la planète ennemie? On a des choses sur ses défenses? On est à peu près sûr que le noyau de Mosaïque se trouve à côté de leur monde natal. S'il émet ses ordres depuis cet endroit, Genesis y est aussi. Les données extraites d'Axis parlent d'une sécurité automatisée, mais ne mentionnent pas de garde. Et l'Avenger franchira la plupart des systèmes automatisés? Exactement. Bon sang, ce que j'aimerais qu'on puisse explorer leur monde. Je donnerais tout pour voir ça. Je pourrais vous trouver une place sur l'Avenger. Oh non, pas question. J'ai dit que je donnerais tout, mais pas que je risquerais ma vie, ça non. Selon vous, quelles sont nos chances? Vos chances face à Genesis ou les chances de toute l'espèce humaine? Mais l'un ne va pas sans l'autre, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Alors quelles sont nos chances, selon vous? Mieux vaut ne pas le savoir. La manière dont les gens parient... Disons que si vous revenez, je serai riche. Parfait, à votre service. Je crois qu'il est temps de lever l'ancre. Si je reviens, je vous rapporterai peut-être un souvenir. Occupez-vous de Mosaïque, d'accord? Je n'ai pas le droit de vous demander plus.
quoi, ce renforcement de la sécurité? Ordre du directeur. Comprendu. Malgré la défaite infligée à Axis, le commandant de l'invasion, les troupes Xenon restent en bon ordre. On pense que l'augmentation des communications de Mosaïque a réduit les difficultés logistiques de l'ennemi. J'ai appris que vous seriez à bord. Il y en a qui ont de la veine. Une mission suicide sur une planète extra. On dirait que vous allez enfin faire un tour à bord de ce piège, n'est-ce pas? Faux! C'est vous qui allez faire un tour. Moi, je vais le piloter. Vous pensez qu'il est prêt à partir? Ce qui m'inquiète, c'est vous et le reste de l'équipe. Cette petite merveille est prête. Si vous pouvez m'aider pour un dernier détail. Vous avez déjà une section de techniciens et de mécanos. À quoi je pourrais vous servir? Tout est en ordre, mais nous avons remarqué des fuites du circuit de carburant. Le problème, c'est qu'elles sont trop petites pour les repérer à l'œil nu. Des fuites? Il faut que je passe une tenue de protection? C'est pas dangereux, mais ça pourrait causer une fuite de carburant après le départ, voire une réaction en chaîne. Si je peux contribuer à garder ce truc en un seul morceau, comptez sur moi, mais comment je peux vous aider? Si vous balayez l'Avenger avec le truc que vous avez au bras, vous devriez pouvoir détecter les fuites. Indiquez-les-nous, et on se charge du reste. C'est tout? Ce sera du gâteau, Barnes. Il faut combien de personnes pour faire voler l'Avenger? Qui va venir avec nous? Il peut embarquer une petite armée, mais la moitié des gens seront des pilotes, des ingénieurs et des chercheurs. Je n'ai pas envie d'y traîner plus longtemps que nécessaire. Pas question de retenir des xénons en furie pendant que les blouses blanches chassent des papillons. Pas de soucis, Carter. Ils savent tous que la priorité, c'est de rentrer en vie. Mais pourquoi vous inquiétez-vous? Vous avez peur qu'on vous casse votre nouveau jouet? C'est un risque, sauf si vous m'avez pas parlé de votre entraînement au facteur de charge. Ça va être pire que les montagnes russes, hein. Pour faire court, si je dois faire des manœuvres évasives, vous feriez mieux de tenir votre sac à vomi à deux mains. Mieux vaut embarquer. Bouclez votre ceinture, je m'occuperai du reste. J'ai trouvé une des micro-fuites.
une fuite ici. D'accord. Maintenant, remontez la canalisation jusqu'à la vanne et fermez-la. On dirait qu'il n'y avait pas de problème sur celle-là. Rouvrez-la et essayez-en une autre. Vous avez réduit l'alimentation. Essayez de rouvrir cette vanne, puis passez à une autre. Celle-là! Suivez les canalisations de la fuite à la vanne! On dirait qu'il n'y avait pas de problème sur celle-là. Rouvrez-la et essayez-en une autre. Vous avez réduit l'alimentation. Essayez de rouvrir cette vanne, puis passez à une autre. Ah, celle-là! Suivez les canalisations de la fuite à la vanne! À toutes. C'est tout ce qu'il vous fallait? On règle les derniers détails, oui. Et vous serez heureux de savoir que vous avez montré aux ingénieurs un défaut de conception. Un défaut.
Quel genre de défaut ? Rien qui puisse poser un problème. Mais ils espèrent tirer 2 ou 3% de puissance en plus du moteur. On n'a pas le temps pour une révision complète. Non, en effet. Mais ils veulent essayer d'autres réglages. Ça sera utile si on veut construire une escadre entière. Espérons que ce ne sera pas nécessaire. Attention avec cet hélérium. Il faut faire preuve de la plus grande prudence. C'est un peu le chantier. Qu'est-ce qui se passe? Herr Falk a demandé à mes meilleurs éléments d'améliorer l'Avenger. Je manque de temps pour travailler sur notre dernière trouvaille. De l'améliorer? J'ai horreur des surprises, Doc. Ne vous en faites pas. Il ne s'agit que d'un ajout mineur. Mais au cours de son développement, nous avons fait une découverte majeure. Alors qu'avez-vous découvert, Doc ? Un remède contre la maladie de l'hypnose. Un remède potentiel, du moins. Il reste à le tester sur un sujet vivant, mais le docteur Hara a de bons espoirs. Vous avez parlé d'améliorer l'Avenger. Cette soucoupe volante n'est pas assez puissante ? Pardonnez-moi, William, mais le directeur Falk a exigé le secret total sur ce projet. Il a même fallu cloisonner le travail entre les équipes qui ignorent les détails de l'objet de leurs travaux. Tout ça ne m'inspire pas confiance, Doc. Je comprends, William, soyez-en sûr. Mais après les fuites d'informations au sujet de l'Avenger, Herr Falk ne veut pas que le problème se reproduise. Difficile de le lui reprocher. C'est tout simplement impossible à chiffrer, mon garçon. Nous disposons d'une vraie chance, ce qui n'a jamais été le cas depuis le début de cette guerre. Mais si vous deviez parier ? Si je devais parier, je m'arrangerais pour bricoler le système afin d'être sûr de gagner. Car si je devais parier, vous pouvez être sûr que je tricherais. Eh bien, content que vous trichiez pour notre camp. Alors vous pensez tenir un remède contre l'hypnose ? L'un des projets du docteur Veer vise à brouiller la connexion avec Mosaïque. En le modifiant un peu et avec l'aide médicale du docteur Hara, je crois qu'on peut inverser en partie les effets de l'infection. Une guérison partielle est toujours mieux que rien. Je peux vous y aider ? En fait, oui. Le docteur Hara aimerait que vous l'aidiez pour le premier test humain. Pourquoi moi ? Je suis pas médecin. Je ne le lui ai pas demandé, mais je me fie à son jugement. Si vous avez le temps, bien sûr. Pour trouver un remède, je trouverai le temps. Wunderbar. Elle prépare le test au labo d'observation. Quand ce sera fini, venez me faire un compte-rendu. Nous avons tous les deux du travail. En effet. Dans quelques heures, nous déciderons du sort de l'espèce humaine. D'une manière ou d'une autre. Vous pensez vraiment qu'on peut réaligner ces trucs pour que ce soit utile sur le terrain ? Peut-être. Au moins, ça nous apprendra des choses sur leurs points faibles. Ah, Rose, je suppose que l'infiltré est bien gardé ?
Oh, il a été doux comme un agneau depuis que vous avez tué Axis. Je sais pas ce qu'il a, mais en tout cas, il cause pas d'ennui. Curieux, mais je m'en plains pas. Restez prudent auprès de lui. Bien sûr, monsieur. La vigilance est ma devise. Bon, d'accord. Et vous, comment ça va? Oh, c'est un peu plus compliqué que ça. On ne peut pas prendre le moindre risque si près du départ. S'il y a des problèmes de sécurité, il faut que je le sache. Croyez-moi, je le sais. Et toute l'équipe de sécurité est en alerte maximale. L'ennemi ignore pour l'instant où nous sommes. Mais on a préparé des défenses en prévision du jour où il la prendra. C'est bon à savoir, mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. On ne mégote pas sur la sécurité dans une telle situation, monsieur. Je ne peux pas dire que son calme me rassure. Il mijote peut-être quelque chose. Je ne crois pas. Il n'a parlé à personne. Et c'est tout juste s'il se nourrit. Et il est toujours déconnecté de Mosaïque. Ouais, il est peut-être malade ou... Bon sang, j'en sais rien. Depuis qu'il a appris que vous avez tué Axis, on dirait qu'il attend quelque chose. Je me demande comment il réagira au démantèlement de Mosaïque. Quand, monsieur? Pas si. Je sais que vous réussirez. Je suis au courant de vos problèmes personnels. Ça s'arrange? Oh, Percy et son équipe ont ramené ma petite amie et le reste de la famille. J'ai été content de pouvoir lui parler avant que l'infection ne s'aggrave. Je sais que ça peut être très dur, mais ne vous en faites pas. Elle est entre de bonnes mains. Oh, je sais. C'est juste que... Bien, mes parents étaient avec elle. Et ils ont bu la même eau. Ah oh. On sait pas combien de temps il leur reste. Mais peut-être qu'ils sont épargnés. Enfin, au moins ils sont là. Il faut que j'y aille. Bien sûr, monsieur. Allez mettre fin à cette guerre. Pour nous tous. William Carter, c'est vous? T'es pas comme ça, d'habitude. Je ne sais pas. J'ai eu des visions... d'Axis, de Genesis, de mon peuple. On rêve, hein? C'est peut-être le nom approprié. Ça a été plus... intense... que lorsque j'étais relié à Mosaïque. T'as mentionné tes rêves. De quoi parle-t-il? Mon peuple se ruant en avant comme un raz de marée, débarquant sur votre monde et... bâtissant, construisant un peu partout. Ça ressemble à votre plan de bataille. On ne peut pas les arrêter. Ils sont un océan sans fin, et au-dessus d'eux se tient Genesis, radieux. Nous épuisons les ressources de votre monde, comme nous l'avons fait pour le nôtre. Mais ça n'arrivera pas. Je ne les laisserai pas faire. Je sais que vous voulez détruire Mosaïque et nous libérer de Genesis. Mais je crains que ça ne suffise pas. Mais ce sera utile. Une chose à la fois. Comment ça se passe pour toi? Certains des chercheurs sont curieux et cruels. Le gardien, Richard Rose, essaie de me protéger. C'est gentil, mais... pour un guerrier, c'est insultant. Content de l'entendre. Nous avons besoin d'infos pour sauver notre peuple et le convaincre de vous accepter comme réfugié. Je vous aiderai autant que je le pourrai. À quoi dois-je m'attendre sur ta planète? Pourquoi voulez-vous savoir ça? Parce qu'il est temps de porter le combat là-bas. Ce projet est une vraie folie, William Carter. Même les régions les plus reculées de notre monde sont protégées. On a pris nos précautions, mais dis-moi ce que je vais trouver. Cela fait si longtemps que je n'ai pas revu ma planète. Des décennies de guerre sur d'autres mondes, avec un seul but en tête. Des tours perçant le ciel, des nuées de transporteurs, et toujours le poison dans l'air, dans l'eau et dans nos têtes. Je vois. De la souffrance, William Carter. Attendez-vous à souffrir. Repose-toi. T'en as besoin, on dirait. Merci. Mais les visions de votre planète... Peut-être que si vous arrêtez... Genesis. Avec de l'hélérium raffiné comme celui-ci, on pourrait produire en quelques semaines assez d'énergie pour alimenter.
Heinrich vous a enfin envoyé. Bien, commençons. Doucement, je ne sais toujours pas ce que vous attendez de moi. Ni même si je suis d'accord. Ce traitement est sans le moindre danger pour vous. Je vous demande simplement de l'administrer. Je suis content qu'il existe un remède, mais je ne vois pas ce que vous attendez de moi. L'un des aspects qui nous a le plus étonnés, avec cette infection, c'est que même après avoir traité tous les symptômes, le patient ne répondait pas aux stimuli extérieurs. Mais nous avons fini par découvrir que la guérison nécessitait un lien psychologique. Un lien psychologique ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pour ramener le patient, nous avons besoin d'une personne qui l'a connu. Selon son dossier, notre sujet, Nico Da Silva, m'a travaillé avec... Vous faites votre test sur Da Silva ? Oui. Il est devenu un hypnotisé. Mais il reste un agent de XCOM, prêt à prendre des risques. S'il pouvait communiquer, je suis sûr qu'il serait d'accord. Si ça peut nous ramener Da Silva, je marche. Qu'est-ce qui se passera si ça foire ? Physiquement, tout ira bien. Mais chaque fois que nous tenterons de le ramener sans succès, il s'enfoncera de plus en plus. Alors tâchons de réussir du premier coup. Ça me paraît bien. Mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Je suis pas chirurgien. L'infirmière Campbell s'occupera des aspects médicaux et vous assistera. Vous devrez simplement être un participant actif, prêt à agir dès qu'il commencera à revenir à lui. Je dois m'attendre à quoi ? Ce sera un peu comme réveiller un enfant. Il sera comme plongé dans un rêve. Et vous devrez l'en faire sortir, lui donner une raison de se réveiller. Bon sang, pourquoi ne pas lui donner une gifle ? Ça marchait toujours quand j'étais gamin. Non, non, pas question de violence ni de contrainte. Tâchez d'être amical, donnez-lui envie de revenir. Je n'ai pas la réputation d'être amical, Doc. Je sais, mais trop de pression le pousserait à rester dans son rêve. Apparemment, Mosaic a construit une prison bien confortable dans leur tête. Si c'est douillet, je comprends qu'ils aient pas très envie de retrouver notre monde. C'est comme traiter une dépendance. Il faut les aider et se montrer ferme, mais pas au point de leur donner envie de se renfermer. Amical et ferme, mais pas trop ferme. Compris. Allons-y. Si vous avez raison, ça devrait être facile. Si c'était facile, ils seraient tous guéris depuis longtemps, Carter. Bon, ne bougez plus. On dirait que mon heure est venue. Pas aujourd'hui, non? Il est prêt. Essayez de lui parler. Comment ça va, mon vieux? Adieu, Carter. Allez, Da Silva. C'est l'heure de se réveiller. Non. Laissez-moi. Le pouls augmente légèrement. Il vous entend. Continuez. Allez, c'est l'heure de se réveiller, Da Silva. Plus... de... guerre. C'est bon, la guerre est finie. Vous pouvez vous réveiller. Bien. Alors, je peux dormir. Il replonge. Réessayez. Allez, c'est l'heure de se réveiller, Da Silva. Plus... de... guerre. La guerre continue, alors pas question de faire la sieste, soldat. Non... plus... Carter. Il replonge. Réessayez. Allez, c'est l'heure de se réveiller, Da Silva. Plus... de... guerre. Allez, Da Silva. Vous n'allez pas rater l'heure de gloire de l'espèce humaine, pas vrai ? Oui. Oui. Je dois me lever. Continuez. On y est presque. C'est ça. Vous devez vous réveiller, Da Silva. Je dois me lever. Oui. Vous serez la première personne à guérir de l'hypnose. Allez. Je dois... Bon sang, il s'en est fallu de peu.
Je crois qu'on peut risquer une autre tentative. C'est ça. Vous devez vous réveiller, Da Silva. Je dois... me lever. Oui. Vous n'allez pas laisser tomber. Carter... j'ai fait un drôle de cauchemar. Ça a marché, Carter. Il s'est réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? On va tout vous raconter. Mais avant, il faut vous remplumer un peu. Carter, vous m'avez encore sauvé la mise. Hein? Ne parlez pas trop. Vous avez perdu beaucoup de force. Je vais mettre Heinrich au courant. Bien joué, Carter. Je crois qu'il avait besoin de vous. Bien joué. Tout n'est pas gagné, mais vous venez de prouver qu'on peut guérir les hypnotisés. Félicitez Heinrich de ma part. Mais pourquoi raffiner de l'hélérium à un tel degré? Il est bien trop instable. Ah, William, de bonnes nouvelles, j'espère. Venez, venez. Je me demandais où sont... C'est resté indécis un moment, mais le traitement a marché. Excellent, excellent. Si le processus de base a fonctionné, on trouvera peut-être le moyen de les soigner en masse. Je l'espère, oui. Vous ne me ferez pas jouer les nounous pour chacun des hypnotisés. J'étais déjà étonné qu'on l'obtienne de vous pour un seul patient. Bon, retour au boulot. Ouvrez l'œil, agent. On a une guerre à mener. Hé! Hey, agent Carter, ça a l'air d'aller. Je vous offrirais bien un cigare, mais il paraît qu'on est à court. Toute la base s'inquiète de la fin du monde. Mais vous avez l'air content de vous. Pourquoi? Et pourquoi pas, hein? J'ai été promu chef d'équipe. Félicitations. Il nous faut plus d'équipes à l'extérieur. Il faut faire feu de tout bois. Ouais, attendez de voir, Carter. La prochaine fois, c'est peut-être moi qu'on traitera en héros. J'espère que vos subordonnés sont aussi heureux de vous avoir pour chef. Ah, ils sont mauvais. Ils se mettent toujours dans la merde. Je me demande qui a pu me coller un boulet comme newcomer. Ce n'est peut-être pas eux le problème. Vous avez raison. C'est peut-être l'équipement. Le vieux Webb doit nous refiler des cochonneries parce qu'il est jaloux qu'on aille sur le terrain. Bien sûr. C'est ça le souci. C'est clair. On n'a pas arrêté Axis pour une question de gloire, mais pour sauver le monde. Joli discours, c'est en prévision de votre remise de médaille? Écoutez, si on ne se concentre pas sur la guerre, il n'y aura pas de médaille. Ni personne pour en donner. Et c'est pour ça que vous êtes volontaire pour la mission qui doit sauver la Terre. On a tous le même objectif. Ne me reprochez pas d'obtenir les missions difficiles. Il y a des tas d'autres choses à faire. Ouais, à trimballer de la logistique et à évacuer des civils. C'est pas en jouant les brocanteurs et les sauveteurs qu'on se fait un nom. Non, mais vous pouvez sauver des tas de vies. Maintenant, désolé, je dois me préparer pour la grande mission. C'est ça, insistez bien. Sans cesse.
un ennemi, tue-le. Mais c'était pas moi qui pensais. Et qu'avez-vous fait ensuite? Je l'ai pas fait. Ce n'est pas ce que m'a dit le légiste, ni votre équipier survivant. C'était mon bras et mon arme. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Je sais ce que ces salauds peuvent faire à quelqu'un. Mais désormais, vos équipiers vont vous considérer comme un danger sur le terrain. Je sais, monsieur. Je vous réaffecte sur la base. À un travail calme, loin de l'action. Vous ferez aussi une thérapie à raison de 3 séances par semaine. Plus un suivi en prévision d'effets à long terme. Compris, monsieur. C'était pas moi. Angie, comment ça va après tous ces événements? Axis est mort. Quant à Pete, je l'avais perdu depuis longtemps, Will. Mais j'ai pu lui faire mes adieux. Désolé. Merci. Bon, remettons-nous au travail. On n'a pas beaucoup de temps. Que voulez-vous dire? Nous avions raison. Cette attaque n'est que la préparation de l'invasion. Le reste de leur force arrivera dans quelques heures. Un jour, tout au plus. Ça ne nous laisse guère de temps. Non, mais on peut évacuer quelques villes avant qu'ils n'attaquent. J'ai déjà envoyé plusieurs groupes. Si on ne gagne pas cette guerre, on ne fera que retarder l'inévitable. Dites ça aux survivants qui peuvent passer un jour de plus avec leurs proches. Pour l'instant, il suffit de savoir où frapper. C'est déjà en cours. Les infos ont été isolées, mais Weir cherche encore les coordonnées exactes. Je crois que cette attaque va être un aller simple. Peut-être, mais je ne vais pas m'en faire pour ça. S'il faut mourir, on mourra. Mais je m'assurerai que Genesis crève avec nous. Content qu'on soit du même avis. J'ai perdu autant que n'importe qui dans cette guerre, et je compte bien être là pour l'achever. Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez là-bas? Je savais que l'abattre ne changerait pas grand-chose. Ça ne ramènera personne, mais je dormirai mieux. Merci, Will, de m'avoir fourni cette chance. Je voulais vous dire à propos de ce qui s'est passé avec Pete là-bas. Ça va, Will. Vous aviez raison. Il le fallait. J'espère seulement que vous en feriez autant pour moi si nécessaire. Si c'est vous, je n'aurais pas trop à réfléchir. Ah, merci. Mais merci, Will. Et je suis sûr que Pete vous remercierait aussi. On n'a pas beaucoup de temps. Compris. Allez demander les coordonnées de la cible à Weir. De mon côté, je serai prête. Arriver, ça aurait été un honneur de servir à nous. Plusieurs aéronefs de classe Titan ont été observés dans la région de Flagstaff. Motif de présence à vous. Bougez-vous le nez. Certains chercheurs travaillent 24 heures sur 24. J'ai tout ce qu'il nous fallait. Portez ça au directeur et dites-lui que je le retrouverai au hangar. Ah, Carter, vous tombez à pic. Le plan de vol est prêt, Doc? Oui. Je viens de terminer de calculer les coordonnées de l'attaque. Et j'ai testé le portail Venn du mieux que j'ai pu, compte tenu de la situation. On n'aura pas d'autre occasion. Dans ce cas, je crois que c'est maintenant ou jamais. C'est assez étrange d'entendre ça de votre part. Parfois, le meilleur test, c'est la réalité, Carter. Je ne peux pas dire que ça me rende confiant, Doc. Si ça peut vous rassurer, je serai aussi dans l'Avenger. Si les choses tournent mal, je serai là. Alors, les données d'Axis vous ont fourni les coordonnées. Qu'est-ce qu'elles indiquent? J'ai tout vérifié. Elles doivent nous mener à un point particulièrement isolé sur l'orbite de la planète extraterrestre. D'où viennent les extraterrestres, au juste? C'est difficile à décrire avec précision sans carte stellaire, mais c'est à environ 600 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Ce n'est pas la porte à côté. Les planètes capables d'abriter notre forme de vie sont rares et espacées, même dans un univers infini. Vous avez déjà ouvert des portails Venn, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'une théorie. Bien sûr. Vous étiez là quand Laurence et moi avons ouvert le premier. Ça ne s'est pas vraiment bien passé.
Non, mais ça a marché. Et nous avons réussi d'autres tests depuis, avec des technologies xénon capturées. Content de l'entendre, je crois. Bien sûr, le vrai test sera d'expédier quelque chose d'aussi gros que l'Avenger, mais nous ne tarderons pas à le savoir. Et à quoi je dois m'attendre une fois sur leur planète ? Par chance, les xénons semblent originaires d'un milieu et d'une gravité semblable au nôtre, ce qui explique pourquoi ils ont choisi la Terre. Mais le reste risque d'être assez déconcertant. Quel type de défense auront-ils ? Les capacités furtives de l'Avenger nous permettront de franchir l'essentiel des défenses, mais vous allez sûrement devoir terminer à pied. Rien que mon équipe et moi dans une de leurs bases ? On va se marrer. Il sera sûrement bien protégé, mais par des effectifs heureusement limités. Comme ils tentent de garder secrète la position de Genesis, ils ne peuvent pas se permettre de l'entourer d'une armée. Tout reposera sur vos travaux. J'espère vraiment qu'ils seront à la hauteur, Doc. Moi aussi. Vous ne serez pas le seul à risquer votre vie. La perspective de mourir si loin de chez nous m'enchante peu. Mais combien de scientifiques ont vu un monde extraterrestre ? Ne voyez pas ça comme mourir loin de votre planète, mais comme mourir pour sauver votre planète. Oui, c'est très réconfortant, n'est-ce pas ? Bientôt dans l'Avenger, Carter. Transmettez ces ordres d'évacuation et laissez en place les agents défendant les cibles majeures. Oui, monsieur. Compris. Nous ferons tourner la boutique jusqu'à votre retour. Je note et j'apprécie votre inexplicable confiance, Chulski. Ah tiens, voilà Carter. Carter, bien. On me dit que tout est en ordre. Oui, monsieur. Content de l'entendre. On part d'ici une heure. C'est tout. Carter ? Pas de discours. Rien à dire. L'heure n'est pas au discours, Carter. Vous savez ce qui est en jeu et vous connaissez les risques. Oui. Oui, monsieur. Ma foi, j'y compte bien. Oh les cœurs, mon vieux. Je suis pas si facile à tuer. Tout homme a ses limites, mais si quelqu'un peut y arriver, c'est vous, Carter. C'est parce que je ne fais pas les choses à moitié. Et c'est pour ça que je vous ai choisi. Je comprends pas. Nos missions ont été des succès. Non, vos missions ont été des succès. Si vous qualifiez de succès la perte de deux villes et une fuite de justesse avec votre objectif. Et personne n'a fait aussi bien que vous là-dehors. On peut trouver plus d'agents, mieux les former. Ce sont les xénons qui ont des effectifs inépuisables, pas nous. Il n'y a qu'une solution. Il faut porter le combat chez eux. Ce Genesis, c'est là depuis... Eh bien, depuis toujours, non ? Qu'est-ce qui se passe si lui tirer une balle dans la tête ne suffit pas à l'arrêter et à éliminer Mosaïque ? Nous nous sommes préparés au mieux avec les infos dont nous disposions. Et si ça ne suffit pas, eh bien, on sait que vous êtes doué pour l'improvisation. Vous me demandez d'improviser ? Sacré changement. Et si je n'ai pas les outils qu'il faut, une fois là-bas ? Ne vous en faites pas, j'ai un plan de rechange. Mais franchement, vous êtes notre meilleure chance. Ce Genesis, c'est là depuis... Eh bien, depuis toujours, non ? Qu'est-ce qui se passe si lui tirer une balle dans la tête ne suffit ? Nous nous sommes préparés au mieux avec les infos dont nous disposions. Et si ça ne suffit pas, eh bien, on sait que vous êtes doué pour l'improvisation. Vous me demandez d'improviser ? Sacré changement. Et si je n'ai pas les outils qu'il faut, une fois là-bas ? Ne vous en faites pas, j'ai un plan de rechange. Mais franchement, vous êtes notre meilleure chance. En supposant qu'on réussisse à fermer les portails, que deviendront les xénons qui sont chez nous ? J'ai préparé un plan détaillé. On le distribue en ce moment même au chef d'état-major. On espère que la séparation des mondes coupera les lignes logistiques ennemies et par conséquent, que ces troupes seront isolées du commandement central. Cela devrait fournir à nos soldats l'avantage pour les achever. On dirait que vous n'avez pas prévu d'être là pour le grand ménage. Nos chances de revenir de cette mission sont minces. Inutile de prétendre le contraire. Je suis prêt à partir. On se retrouve dans l'Avenger. Vous connaissez les enjeux, Carter. Et aussi les risques. Vous avez survécu jusqu'ici. Je sais que vous êtes l'homme de la situation.
Tout reposera sur vos travaux. J'espère vraiment qu'ils seront à la hauteur, Doc. Moi aussi. Vous ne serez pas le seul à risquer votre vie. La perspective de mourir si loin de chez nous m'enchante peu. Mais combien de scientifiques ont vu un monde extraterrestre ? Ne voyez pas ça comme mourir loin de votre planète, mais comme mourir pour sauver votre planète. Oui, c'est très réconfortant, n'est-ce pas ? Bouclez votre ceinture, je m'occuperai du reste. Attention! Si vous ne voulez pas nous faire sauter, je vous conseille de faire un peu attention! Alors c'est à ça que ressemble l'intérieur d'un de leurs ovnis. Moi aussi. Ne voyez pas. On n'a pas beaucoup de temps. Compris. Cette fois, on va porter le combat chez eux. On va rejoindre leur planète, pénétrer le cœur de leur réseau et séparer définitivement nos mondes. Des questions ? Vous avez pu identifier l'emplacement du noyau de mosaïque ? Oui, on est remonté jusque... Nom de Dieu, Falk ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas une négociation de paix, Angela. J'ai l'intention d'en finir avec Genesis une fois pour toutes. Vous avez bossé dur. En effet. Raffiner l'Ellerium à son état le plus explosif n'a été qu'une partie du processus. L'associer à... Vous avez quoi ? Bon Dieu, ce truc va tuer Genesis et nous tous aussi ! S'il faut en arriver là... S'il le faut pour terminer cette guerre, alors oui. Préparez le vaisseau pour départ immédiat. Nous partirons dès que l'engin sera installé.